Pour les parents de Thelma, c'est l'incompréhension. Comment Michel Arquilière, ce professeur de sport de 49 ans, un skieur aguerri, a-t-il pu céder aux demandes répétées de ses élèves encore mineurs pour descendre une piste noire fermée? Oui, la veille, le groupe de ski avait déjà bravé l'interdit, mais l'autre enseignant qui accompagnait cette classe de ski, lui, n'a pas craqué. Pour le père de la lycéenne morte dans l'avalanche, le professeur incriminé a failli. Il a rompu la confiance qui le liait aux parents. Des parents qui veulent aussi comprendre pourquoi cet enseignant a pu participer à cette sortie scolaire alors qu'il était déjà connu pour des problèmes d'encadrement et qu'il revenait à l'époque d'une longue période de dépression. Michel Arquilière est aujourd'hui chef de projet dans un lycée professionnel. Il ne côtoie plus directement d'élèves. En cas de sanction pénale, il pourrait être révoqué de l'Éducation nationale.